Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Akai et on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play en multi sur Europa Universalis 4 en compagnie de Backrentor C'est et moi. de Légiarque. T'as pu mettre un petit corbeau, tu sais. Ah. Bon, je suis désolé, j'ai craché, c'est pas grave, m'en voulez pas, gueulez pas dans les commentaires, de toute façon ça changera rien. Au bûcher. La vie de tata. Allez. Allez, let's go. Allez, l'autre là en train de raqueter là. Mais oh, vous arrêtez un peu de raqueter les j'ai gens. Rien fait moi en plus pour une fois, j'ai rien fait du tout. C'est vrai que j'ai aboli l'esclavage moi, messieurs. Ah, moi aussi. Ça fait belle heure, ça fait près de 50 ans que c'est fait chez moi. Oh, allez, l'autre là, ça y est, il se la pète. Gna 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 gna, culé va. Bah, nous on est civilisés, nous, monsieur. Contrée du civil. Civil quoi? Hop. Je produis de la merde en tout cas. C'était bien les esclaves avec du. En fait, les gars, venez, regardez, on a du taf pour vous quoi. Notre trou, c'est que la Suède est terminée. Oh. Ces esclaves sont remplacés par de l'or encore, oui. Bon bah c'est de naval goods, des colorants, enfin des dyes, des. Des colorants, ouais. Ça, les dyes. Ouais, les colorants quoi. Des teintures. Bien. Voilà. Des colorants alimentaires. Bon, les rebelles factions, ça va, ils sont légèrement calmés. Alors je prends ça, je prends ça. Je peux faire impérialisme sur Nuremberg? Si tu veux. Ouais, mais j'ai l'Empire qui vient. Quoi qu'il y a que Nassau, Clèves, Autriche, Francfort. Bon, en fait, il y a tout ce qui est pas nous en fait. J'ai fait la mission prendre Nuremberg, j'ai tellement tardé que j'ai même pas pu la finir. C'est bien aussi, je suis en avance tech. 27 ans. Bien, bien, bien. En militaire. Bon, là c'est bien. Les bestiaux. Oh là là, c'est la merde. Il faut absolument au moins un marchand de plus parce que là c'est pas possible. La prochaine fois, si je dois refaire une partie avec les Ottomans, je sais exactement ce qu'il faut que je prenne. Quoi. Ouais. Bah, diplomatique, ça c'est excellent. Offensive, qualité et puis après surtout free trade quoi. Ouais. Économique après. Good work, là, ok. J'hésite, je vais déclarer la guerre à Suède. Fais ce que tu veux. Allez. Ils sont alliés qui? Ils sont alliés avec Oldenburg. La monoprovince, ok. On va juste... Voilà, et puis qui d'autre? Et je vais pas traiter noir parce que je suis en trousse avec eux jusque 44. Jusque quand? Septembre 40... Auguste 44? Peut-être attendre un petit peu alors. On va traiter noir un peu plus tard. Je vais pas faire la guerre tout de suite. Je vais traiter noir dès que... Voilà. Bon. Moi je vérifie surtout que la Savoie n'est pas envie de se rebeller quoi. Enfin, de se rebeller, on se comprend. Quoi. Oui, ils ont envie de faire les guignols, oui, on connaît la chanson. On va dire, ouais, on n'est pas content, pas content. Tu fais, oh les gars. Vous êtes gentils, vous vous calmez, et si vous n'êtes pas content, on vous. On vous apprend la vie, c'est tout. On vous chie dessus. Voilà aussi. On vous pisse à l'arrêt. Oh putain, ça craque, comme le bassin des petites filles. Quoi? Mon dieu. Oh, ces Pays-Bas sont tout moches. Il reste combien de pays dans l'Empire? Pas grand chose. Tous princes, d'accord. C'est bon, le Danemark mène toujours bien. Il s'annexe tranquillement.
T'aurais le fait en 74. Putain. En 30 ans. Désolé, je Ah, change mon monsieur, je conseiller suis pas au courant. diplomatique pour le mec qui me file plus un de réputation diplomatique. Ah merde, j'ai perdu ça là-bas. Moi j'ai perdu du prestige. Bon, bah, c'est pas grave. Oh putain, ma légitimité, elle est à chier, elle a 35. L'Espagne, ça te dirait de me donner Toledo? Donne-moi Toledo, merci. Oh, il me le donne, il est trop gentil. Oh, c'est beau ça. Grave. La ville de la Provence pourrait dégager le fort. Ah, père, c'est bon. Et t'annexes à Savoie, ce sera fini en 52, d'accord. J'ai quelques menaces de rébellion, rien de grave. Mais le trou, c'est que l'Autriche est En terminée. fait, Oh. juste aller à la Mecque Reborn, quand même, au cas où. C'est vrai que c'est la famille von Luxembourg, au fait, chez moi. Je fais ce détail. T'as Luxembourg? Oui, quand même. Non, je m'appelle... Oui, voilà, oui. Ouais, mais si tu l'appelles Luxembourg, ça t'est pitoyable. Von Luxembourg? Tu vas venir un paradis fiscal. Je vais peut-être aller mettre sur la gueule d'Oyo. Yo, il est allié à qui? Avec Kanenbonu. Je sais pas Mais qui. non, pas Oyo. Pourquoi? Il est trop mignon. C'est qui Kanenbonu? C'est gros. On va défoncer. C'est gros ça? Enfin, je suis sûr que j'ai vu plus gros, hein. Mais non, putain de ta race maudite, Oh, le quoi. Manchou! Peut-être qu'il est mis sur le Manchou, histoire de pouvoir le tabasser. Il a 3 fois 4 forces sur son pays de singe là. Des fois, au niveau 8, tu vas voir à tous les coups. Je l'ai défoncé. Avec Toledo, il me faut 117 points. Oh putain. Pourtant, administrative efficiency, moins 40%, Oula. adaptabilité, moins 25%, et j'ai la clem, moins 10%. C'est où ça, Poitang? Ah, mon branle. Ça Pochement. ferait que tu viennes m'aider après, Ok. t'es pas loin. Oui, j'arrive, Parce j'arrive. que, bon, ils ont en général 2 étoiles. Wow, les noms de l'aide. Moins sincérité ou moins 3800. Le seul problème, c'est que plus tu gagnes d'argent et plus les events te coûtent cher. Bon, genre, ok, j'ai pas envie de perdre un point stable. T'as vu qu'on s'est précieux les points admin? Ah oui. Oula, c'est chaud ce combat. Ah ouais, heureusement que t'es une justesse, hein. Allez, 117 points dans 2 mois. Mais j'arrive, TDH Tracan. Oh non. Puisqu'Adonres partout. Mon Putain. dieu. Ou moins 200 de stab. De stab de points admin. J'ai dit non, non. Gardez points admin. Tu m'étonnes. J'y vais et t'y vas après? Je vais dessus, tiens, je fonce comme un barbare, c'est tout. Mon dieu. Il y a des éclosions de. Ouh là là, c'est les Perses en fait. J'ai des events à cause des Perses. Oh putain, ils font chier ceux-là. Merci. De rien. Allez, je rentre chez moi maintenant. Je vais aller juste du côté des Perses parce que ça va popper. Oui. Va être la merde. Un grand conseiller est mort. Putain, c'est mon conseiller. Oh, Oh légitimité annuelle. non. 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 Oh non. Quoi? Il s'est débarrassé. Oh non. T'as implanté, j'espère.
C'est la Grèce. Quoi? Elle veut son Ils indépendance. sont même pas foutus la maintenir. Ils sont même pas économiquement viables, ce pays, alors. Qu'est-ce qu'ils nous chantent avec leur indépendance? Ils ont gagné des corps. Ah. Ah bah oui, l'event de la Grèce, oui. Oh, l'Angleterre, il a des colonies quelque part. Bah, je vais aller mettre sur la Oui, au carte. Brésil. Ah, ouais. Hop. Et mon marchand a été assassiné aussi. Juste aller à Mossoul parce que ça gonfle vite. C'est combien de développement? 17. Ah merde. Idiri. Faut juste les calmer un petit peu. Idiri. On les sort de là. Coucou. J'arrive. Tu veux essayer de prendre la province? Tu veux pas te tirer? C'est Ah, trop tard. l'Alsace vient d'être créée, l'Alsace. Oh, Palatina. Oh, ça s'est rééclaté. C'est marrant ça. Non mais j'en reviens pas. Les Noirs, ils vont plus vite à dessiéger les provinces que moi à les siéger, quoi. Non mais oh. Ah non, c'est un niveau 1, d'accord. C'est parce que vu qu'ils sont maigres, parce qu'ils sont mal nourris, ils passent plus facilement les... Les herses. Ils passent entre les pierres. On est tellement Ils immondes. passent il passe à travers les meurtrières. D'ailleurs, tu sais ce que c'est que deux Somaliens menottés? Je sens la blague raciste que je ne cautionnerai pas. Non, je Je plaisante. Bah, deux Bien sûr que Somaliens menottés, je c'est sais que c'est simple. raciste. C'est un nunchaku. Je vais attendre un truc comme ça. Pas très politiquement correct tout ça. Joseph. Alors ça j'adore. Les mecs, j'ai vous savez l'idée où les rebelles, ben les quand merde, les natives ne se rebellent pas. Et comme event, j'ai natives perdent un de férocité. Super. De toute façon ils se rebellent pas connard. Mais pour gagner 40 de férocité, putain la vie de tata. Sans courant c'est la misère. Voilà, Eurat a un peu reculé. Nous. Et voilà, on va se calmer un petit peu par contre sur l'expansion. Bon, moi je vous annonce, j'avance bien en Sibérie. Mais je veux pas développer localement là. Ça par contre je veux bien, good work, voilà, gain de production, de base. Ça fait plaisir. Ah, t'arrives au Mandchou déjà. Ah oui, je commence à faire, je commence à claimer dessus. Le plus dégueulasse, c'est que tu continues, tu sais, côté Québec, tu sais. Oui, je continue. Genre la même ligne, tu vois. En fait, je fonce côté Québec parce que je suis la ligne sud de la province, que après c'est la Louisiane, pour atteindre la Californie. T'as raison. Bon, Suéden. C'est terminé quand ce machin-là? Février 48. Moi, je suis en train de massacrer des noirs. On te pardonne. Oyo, c'est triste et moi j'aime bien Oyo.
Ouais, j'en ai rien à foutre. C'est le pays le plus gentil du monde. Pays le plus gentil du monde, Blairova. Y a pas, on sent pas un peu les restes d'une partie sur Victoria, ça, par hasard? Pourquoi il y avait Oyo? C'est Victoria, il y est, je crois, Oyo, non? Non. Bah, c'est cool ça, je vais pouvoir raqueter là. Fais-toi plaisir. Je sais, j'ai déjà raqueté Shalimar. Canet Bornou, oh, conflit interne. J'essaie d'améliorer mes relations avec vous parce que. Ah oui. Si j'ai 150, j'aurai Western Trade Arm. Il fera moins 10%. Va te faire têter les yeux. Je suis niveau 27 en technologie militaire en fait. Ah, mais j'ai Médine plus la Mecque. Oh, c'est trop bien. Ah, j'ai la conquête de Jérusalem. Ouais, j'ai plein de prestige. Et Vladislav Meyerin, l'héritier, il va prendre la tête d'une armée, et il va combattre, donc on peut espérer qu'il meure au cours d'une bataille. Ah non, mais c'est oublié, hein, c'est comme les mauvaises herbes. Hein. Parce qu'il a, il a 5 ans de moins que mon souverain, donc ça ferait chier d'avoir un héritier qui arrive au pouvoir avec ça, juste. Bon, j'ai fait la paix, moi, je suis pas un guerrier là, je suis un gentil. On y croit. Oui, c'est vrai. Merde. Moi, je suis con, moi. Il était déjà à 75% d'autonomie. Ouais, je suis un fou, je monte à 100. Histoire d'être sûr que. Bon, je vais peut-être retourner sur la Suède, moi, et pas regarder ce qui se passe dans les autres colonies, là. Ouais, très bien. Putain, ce bordel à gérer là. Ediri, on le refile aux trucs commerciaux. Ok, donc ça. Catholique. J'apporte la civilisation. Bon, bah, l'armée suédoise s'est fait violer comme. Comme d'hab. Comme Victor Sylvestre. Moi, je suis juste des tests de commerce. L'Afrique. L'Afrique, dis donc, patron. Je suis démuni. Donnez Bowman ou Yo. Donc, la Norvège est tombée sous mon règne éclairé. Oh, yo. Mon règne éclairé. Non, ouais. Pourquoi? C'est pas crédible? Non. Non. Pas du tout, là. Ça me donne même des frissons. Pourquoi ne croyez-vous pas à ma bienveillance? T'as un plot. Dis-toi que c'est toi qui vas donner naissance à Poutine et à Hitler en même temps. De quoi? Ah non, t'as pas assez de l'Autriche, hein. Je sais plus. Ah si? Bah si, j'ai pas donné naissance à Hitler. Ah si si. Et à Poutine. Ah non, j'ai pas Poutine à Salzbourg. Ah, voilà, que je suis à Salzbourg, par contre, là oui. Poutine et Hitler en même temps. Et Staline. Ah non, la Géorgie, c'est toi qui l'as, mon gars. Ah oui, donc c'est moi Staline. Bon bah c'est moi qui ai venir. Oui, Staline n'est pas russe, hein. Il est géorgien. Oui, il est géorgien, oui. Pareil. Il parle pas français. Ah non, il parlait même pas russe à la base. Bon, pratique. Il a appris le russe au séminaire. Oui, Staline, t'es un séminariste à la base. Par contre, Lénine, lui, il est de Saint-Pétersbourg, non? Ouais, ouais, c'était la noblesse. Ouais. Oh, j'ai une mission qui me plaît, là. Et je pense qu'elle va vous plaire aussi. C'est quoi? Ma mission, c'est conquérir Milan. Ouais, j'ai commencé à clamer dessus, alors. Bon, c'est bien, en fait ça fait quoi? J'ai des corps sur toutes ces. Des claims sur toutes ces provinces. Oh, ça coûtera moins cher à lui mettre sur la gueule, mais honnêtement, déjà rien que là.
On fait un peu de raquette. Ah, j'ai encore un nouveau machin. L'Ethiopie m'aime bien. Oh, Oyo n'existe plus. C'est triste. Oh, yo, 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 yo. Ah, d'accord. Je collecte un petit peu. Bon bah le sudo c'est bien, tu m'as éclaté une petite arrêt pourrie, j'en envoie une autre. Mais qui a plus de morale, qui a plus de troupes. Ça te plaît? Ah, tiens, Content le sudo. diplomatie. Et qu'est-ce que tu me fais? Oh, tu me fais un blocus chez moi! Oh, c'est mignon avec 16 navires, hein, j'en envoie 32. Tu vas aimer. Oh mon dieu. Ah merde! J'ai fait une connerie! Des petites secondes. J'ai fait un traité noir, j'ai appuyé trop vite et je me suis retrouvé en guerre avec l'Angleterre. Ouais, en même temps. Sauf que je crois que j'ai pas d'armée chez lui. Ici, j'ai 26 000 hommes, ça va suffire, vous allez me dire. Dans l'Angleterre, vu ce qu'il en reste. Voilà, exactement. Alors, on va se mettre là. Hop. T'es en guerre contre l'Angleterre et tu vas voir juste sa pauvre commune de merde. Ah non, elle a même pas de colonie, sa colonie s'est rebellée. Non, sérieux? Oh le pauvre. Il est tellement forever Brandon Sand, c'est pas raciste, t'imagines, mec. t'imagines la reine d'Angleterre, comme ça. Toute seule, carré. Ou le roi, hein, d'ailleurs, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ça va être un schtroumpf. Ah non, c'est un conseiller de région. Pour Charles. Ok, d'accord, ça va être un mec. Charles James Warwick. Ah, c'est Warwick qui règne. Bah oui. Ouais. J'envoie un deuxième. Merde, comment on appelle ça? Ah, là, ça aussi, c'est un von de Luxembourg. En même temps, faut dire qu'il a foutu Je dis. son. Il a foutu Je dis, son ouais, cette voilà. ici là-bas. Hey. Exactement, j'ai dit, viens là, du con. Hey, mais j'ai rien dit, ta gueule. Ah, d'accord. Est-ce que. Qui c'est qui est pas content? La Savoie, t'es content? Ouais, 34% de révolte risque. Très bien. Enfin, de. 4% de j'ai des couilles, j'ai même pas peur. Un prochain niveau, je pourrais avoir le Kesbilly impérialisme. Genre, viens ici, donne la province. Pourquoi? Parce que. Mais je proteste assez sur vos méthodes un peu Dictatorial, paternalistes, oui, ta c'est gueule, ça, toujours mais d'accord? prostate. Donc la Suède. Ah oui, ah oui, quand il me parle, moi il me dit My Empress. Oui, monsieur. Comment ça se dit une empereur chez les gonzesses? Impératrice. Ben voilà, impératrice. Impératrice Marie de von Luxembourg. Après, c'est Colette qui prend le relais. Parce que Colette. Elle fait des crêpes. Ouais, et qu'est-ce qu'elle aime, Colette? Se faire niquer. C'est vraiment qu'il y a des femmes chez toi. Ouais, c'est marrant, ouais, tu m'étonnes. Tant Parce pour que sa Marie, pupille, dans la merde, hein. à part au Portugal, il y avait Marie. Marie. Ouais, Marie, là. La folle. Un Non, peu ça c'est Jeanne la historique. folle. Aussi chez les Espagnols. La mère de Charles Quint. Marie, elle est appelée la folle au Brésil. Voilà, hop, ça c'est fait. Bon, bah l'Angleterre. Wari, non, if. Mais Non, j'ai très bien Wari, vu au non. Portugal. On va aller à Bali, parce que Bali Balo, Dans son oui, je sais, berceau. j'ai déjà dit. Exactement. Allez, Bondez on va seulement aller comme un conquérir asticot. Bali. Clairement en retard Hop. tech, hein, Macrine, toi. Non, c'est dans la tête. Non. Alors, on va voir, qu'est-ce que je peux L'Angleterre me raqueter quelque propose la chose? paix. Il est au même niveau que l'Espagne. Traité noir, tu veux pas traité Dommage. noir? Mais toi là,
carte noire, l'Autriche. Vous faites chier, vous voulez même pas accepter de me donner vos provinces là, vous êtes méchants. Vous êtes tous méchants. La Hanse vassale du Hanovre. Une question, Maxentor, pour la frontière au nord, on l'a fait où en fait? Oh, c'est beau ça! C'est mignon! Regardez, c'est rigolo, vous allez me dire ce que vous en pensez. De quoi? J'annonce l'anglais. Voilà, l'anglais, tu me vois, tu me vois. Ah si, je suis là. C'est un vassal. Non. Voilà. Disait liberté 100%, boum! Ouais, mais c'est pas grave. Le mec, il a l'opportunité de s'en débarrasser, de l'effacer. Oh non, je vais faire un vassal. Comme s'il avait pas déjà des problèmes avec ses vassaux, quoi. C'est clair. Mais non, j'ai pas de problème avec mes vassaux. Donc il croit qu'il peut se rebeller, il caresse l'espoir d'eux. Aragon, n'empêche. Aragon, l'autre, il fait, je déclare la guerre, bouge pas, on arrive, paf, 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 voilà. Le Manchu est en guerre contre Oirat, donc quand ça se fait? Tout oui, mais c'est vrai, vu ce que j'ai défoncé, hein. Hop. Oh là, faut que je fasse un traité de Wars, là. Tant me planter. Espagne? Un truc à me donner, là? Non, plutôt les Pays-Bas, c'est plus intéressant. Manchoum dans l'action militaire. Considérant le fait que je vais défoncer sa tronche d'ici peu de temps, je refuse. Ah merde. Je peux pas le raqueter. Pourquoi? Parois, je crois que ça... Je sais pas. Parois. Oh, c'est nul ça, c'est la Savoie qui récupère Barrois, fait chier. Ah bah oui, c'est où qu'on claim dessus? Le mec avait pas foutu pas à claim. Le mec il claim tellement peu. Attends, je vais me venger là. Ah, c'était Nassau, putain, le mec je raquette carrément l'empereur quoi. Oui, vas-y, raquette l'empereur. Quand même, c'est gagné. J'ai pas d'énormes d'hommes pour ces conneries là. C'est bon, c'est fini. Il manque Caceres et Valence. Putain, là, les trois enclémés là-dessus, fait chier. Alrose. On est un peu à 28 minutes, là. Ok. Ah ouais. Bon, Adieu, tu gens. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, exactement. Mettez un petit pouce vert, des commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et puis, adieu. Et on vous laisse. Voilà, à plus tout le monde. Bye bye.